Yo tout le monde, c'est Squeezie, aujourd'hui on est sur Octodad Deadliest Catch, donc le nouveau Octodad qui vient de sortir hier. C'est parti, on va pouvoir suivre la nouvelle histoire de cet incroyable poulpe. Ah, c'est son mariage, je crois que c'est ça. Il est juste en retard, il est toujours en retard. Bah oui. Mais qu'est-ce qui le retarde? Oh, le boigneur. Mais le lac sur son gros cochi. T'es pas encore habillé. Fais-toi présentable, elle t'attend. Le mec est même pas choqué parce que s'il y a un poulpe qui met de la lag sur son cochon. Non, non, juste parce qu'il est pas habillé. Move the arms to control Octodad arms. Comme ça, voilà. Bon, c'est en anglais, mais étant donné que je suis extrêmement fort en anglais, je vais pouvoir vous traduire. Oh, la clé, parfait. Mais je pense que ce mec, c'est la définition même de cette chanson, quoi, finalement. Il peut se faire un câlin tout seul. Hop. What? Ça suffit. Go outdoor. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a eu prendre des trucs random, une sorte de gros morceau de sucre. Yeah. Hop, nickel. What? Oh oui, des ballons. J'aime les ballons. Ouais. Et voici l'Octopus Dance. Bon, à part ça, il faut que j'aille où? Non. Oh yeah, j'ai trouvé une partenaire. Elle doit tellement kiffer ma partenaire actuellement. Je vais vomir. Oh, le costume. On en parle de sa crédibilité. On passe sur le gars. Oh non, la pièce montée. C'est pas moi, c'est faux. Je sens le truc foireux avec le pot de banane. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh mon dieu, on a trouvé le dieu des pieuvres. Non, c'est pas comme ça qu'on se regarde dans le miroir. Mais non, mais... Non, mais va-t'en, vilain de pancarte. Voilà. T'es beau? Oui, je suis là. Voilà, je... What? Y'a combien de portes? Est-ce que c'est une blague? Ah, c'est bon. Oh merde, ok, faut pas que je sois suspicieux. Mais je ne suis pas suspicieux du tout. Retrieve the ring. Merde. Oh, je suis juste sur un pied, voilà, c'est parce que je suis stressé. Voici l'anneau. Mettre un anneau n'a jamais été aussi compliqué. Mais non, mais... Merde. Wouh. Putain, c'est pas un anneau, c'est carrément un bracelet qu'elle avait, la meuf. Ah non, ah, ah. Oh, il se lève. Va dans la cuisine. Très bien. Mais avant, tu me laisses regarder ma famille. Attendez, me dites pas que quand il est devant ça, il a pas l'impression d'être un peu exclu. Ah, tais-toi. Putain, je déteste ce son. Get to the kitchen. Ok, elle est où la kitchen? Est-ce que c'est cette porte-là? Je ne pense pas. Eh, regarde, papa est levé. Oui, c'est moi, je suis votre père. Oui. Ok, faut que je fasse le café. Mais non, pas la chaise. Pas la chaise. Tiens, voilà, assis-toi, ma femme. Ah. Le mec, son bras passe derrière son dos pour faire du café. Tiens, elle veut que je lui fasse du lait. On est mort. Oh putain. Ah, je vais lui en mettre partout. Oh. Merci. C'est moi ou en prenant la tâche, j'ai tout renversé par terre. Ah, ça me fait plaisir de vous faire des steaks, hein. Ah, mes chers enfants, le dernier. Il passe sur le grill, il s'en bat les steaks. Ah, en langage des pieuvres, ça veut dire tiens, voici pour toi. Allez. Ah. Pas bon. Oh merde. Ah, il est pas cuit, putain. Oh pardon. Oh putain, je l'ai même pas vu. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il est en train de mourir sur un banc? Coucou. Yeah. Alors, weed the garden. Oh oui, on va devoir couper des... Et que je coupe. On a jamais vu un mec couper une bûche avec autant de style. Non, fais pas. Il va se couper. Il va se couper, le con. Et le style. La tondeuse qui doit être là-dedans. Oh, les... What? Mais attendez, mais c'est les enfants qui ont le plus de ballons au monde, quoi. Oh, le ridicule. Je vais aller les faire sur mes enfants. Ça va leur raser la moustache. Allez, allez, on tond tranquillement. Ça, c'est la chambre d'Octodad, en fait. Voilà, il dort dans des ballons comme ça. Il aime bien. Puis des fois, ça lui prend, il fait un petit Harlem Shake. C'est quoi cette famille? Je suis pas un père, je suis un esclave. Laissez-moi jouer avec ce ballon de basket. Mon fils, tu veux jouer au basket? Fiston, tu veux jouer au basket ou pas? Fiston, ça te dit? Oh merde. Oh yes! What? Mais non! Qu'est-ce que je fais? C'est un psychopathe, c'est l'homme à la toque de 5 mètres! Il est complètement malade, lui! On va aller au supermarché pour acheter des céréales pour les enfants, apparemment. Et pizza, et soda, et du lait chocolaté, et une pomme. Trouve les pizzas congelées. Ça marche! Non, bah rends-moi mon chocolat! Elle m'a volé mon chocolat! Pour la peine, petite claque. Voilà, j'ai le droit de monter dans ton caddie ou voilà, de l'avoir entre les jambes comme ça. Je lui fais un show rien pour lui. Alors, hein, tu veux que je fasse un twerk? Oh, faut que je lui vole. Désolé, madame. Je m'en fous, c'est pour mon fils. Ah, les enfoirés. Regardez où est le soda que je dois prendre. Oui, on tient un truc. Je suis le roi du supermarché. Oh. Je suis à sa place là, il est trop bien caché. Je lancerai des longs cartons sur les gens comme un gros bâtard. Comment j'ouvre ce truc? Ah merde. Non, non,
Non, je suis une pizza. Mais non. C'est bon, tout est normal. Alors, où sont les sushis? Allez, prends le sushi. Yeah. Oh non. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Cassez-vous les paquets de... Mais non. Mais non, je suis bloqué. Mais non. Mais non. Allez, fonce. On est passé. On lui dit que sa manière de danser est un peu bizarre. Est-ce qu'elle fait une incantation? Hop. Ah bah oui, la pomme elle a pas de code barre. What? Yeah, on a fait les courses pour nos enfants. Chéri, c'est très simple. Tu peux venir à l'aquarium avec ta famille ou tu peux rester à la maison tout seul. Allez, viens, papa. Qu'est-ce que t'attends? Il a l'air de trop kiffer le moment présent, quoi. Redeem your ticket. Oh merde, pardon. Mais arrêtez de tous me regarder aussi, vous me stressez. Je carotte la queue, je m'en bats les steaks. Tenez, monsieur. Non. J'allais voler la caisse, putain. Pardon. Mais non, mais je suis tout à fait normal. On dirait que cette peluche, elle est tout le temps choquée. On dirait qu'elle a vu tous les trucs les plus horribles de la planète. À toi, Octonad. C'était presque aussi bien que les autres. Attendez-moi, ma famille, s'il vous plaît. Je vais me faire charcuter. Putain, il s'en bat les steaks, quoi. Quand il descend les escaliers, il y va en faisant Mosca. Oh. Attends, je veux rejouer. Vers l'avant, putain. Oh bon, vous savez quoi? Je pense qu'à mon avis, on peut faire un truc bien mieux. Le truc qu'on a tous rêvé de faire. Ok, il faut que je lui ai 6 prix. Allez. Allez, monte tous tes muscles inexistants. Wouh. Qu'est-ce qu'on a gagné? Un poisson. Oh, comme je suis content. Tiens, j'ai un prix pour toi, mon amour. Il est pour toi. C'est parti. 4 5 6 Oh putain, plus personne ne peut l'arrêter. Je fais même ceux d'à côté. Mais c'est quoi ce délire là, vous rigolez? C'est parti. Je vais te battre. What? Mais attendez, mais... Mec, il blague carrément pas, foiré, va. T'as même pas de pitié pour une pieuvre. Oh mon dieu. Oh, j'ai écrit au ralenti là. Et... Mais putain, mais le mec c'est un génie. Ah, voilà quand même. Ah, applaudissez-moi. Ok, le mec pleure quoi. Putain, tu dois avoir un sacré problème psychologique toi quand même, hein. Plus que 3. Pardon? Voilà, moi je pars en faisant du breakdance. Le jeu qui est carrément de la triche quand t'es une pieuvre. Tu mets ton bras, il fait la longueur de la table. Bon, voilà. Mais non, mais qu'est-ce que c'est? Mais what? Mais pourquoi elle me balance des peluches? Oh non, mais putain, mais vous êtes carrément... Et pourquoi je suis seul? Pourquoi personne ne m'aide? Mais aidez-moi, putain! Il y avait comme dans les douches, il y avait un trou dans le sol qui aspirait toute l'eau. Bon bah voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Octodad, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas moi je me suis bien marré, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite et pour des vidéos sur d'autres jeux. Ciao tout le monde, peace, à bientôt, bon week-end, peace. Les biches, j'aime les biches, les biches, mais je comprends pas, je pensais qu'on était copains, on est... Oh attends, salut, comment tu t'appelles? Asiel. Asiel, c'est ça que t'as dit? Ça me va, j'aime bien. Steve.